Salut les loulous, c'est le Chapelier Loup. On va tester un petit jeu indépendant, Electrician Simulator. Donc c'est la démo. Ils font pas mal ça, c'est parce que le jeu est pas encore sorti. Le jeu complet, je ne crois pas, sauf s'il est sorti entre temps. C'est Electrician Simulator First Shock. Après de multiples simulations, j'ai encore la tondeuse à gazon aussi en simulation à tester. Des jeux bien plus ou moins bons. Merci d'être venu. Je vois pas le bas de mon clavier. Merci d'être venu. Je vois que vous êtes prêt à commencer votre aventure en tant que vrai électricien. Parfait. En ce moment, j'ai besoin d'aide pour quelques petites tâches chez nos clients réguliers. Ah, avez-vous besoin d'une notice qu'il en soit ainsi? Vendez les objets anciens. Alors, dans le coin supérieur gauche, vous pouvez voir votre travail et vos tâches actuellement acceptées. Nanana. Pour vendre tous ces déchets qui se trouvent dans le garage. Et on peut garder tout le reste. Ok. En haut, on a une boussole. D'accord. En haut à droite. L'argent, la réputation. Ok. D'accord, donc il faut... Oh là là, pillet, on est déjà en clavier ou je suis en... Non. Il n'y a pas besoin de passer en QWERTY, c'est fabuleux, ou de changer les touches. Voilà. Petit lag. On part sur du jeu de... Oh là. Ah, il y a du lag, là. On va enlever ce qu'il nous avait mis au début, là. L'aberration chromatique, déjà. Voir si ça change quelque chose. En truc que j'avais fini, alors pas le DLC ou autre, et je l'avais pas fini en stream, j'avais fait une ou deux vidéos, puis c'est tout. C'était Train Station Renovator Simulator machin. On nettoyait des gares et on les réaménageait. C'était pas très intellectuel, mais après la longue journée de boulot, ça détendait. Vous voyez, pas trop à réfléchir, ça fait truc. Alors, allez maintenant sur mon ordinateur portable et acceptez la mission. Vous aurez besoin d'un mot de passe, mais où je l'ai mis? Nouveau message. Hein, mot de passe, il l'a mis dessus, non? Ouais, avec un post-it. Alors, appuyez pour l'un, maintenez enfoncé pour le mode inspection. Il n'y a certainement pas de mot de passe au dos. 58-16. Alors, est-ce qu'on peut le faire au clavier? Mais oui! Boîte de réception et boutique. Oh là là. Oh la bonne tête. Alors, j'ai voulu allumer la lumière de la salle de bain et rien ne s'est passé. Je suis un vieil homme maintenant et c'est très difficile de prendre le bain dans le noir. J'espère que la réparation de l'interrupteur ne sera pas un gros problème. Je ne suis pas très riche et je peux pas vous offrir grand-chose pour ce travail, mais j'espère que vous m'aiderez quand même. Couper le fusible, réparer l'interrupteur, vérifier que l'interrupteur fonctionne. On va acheter un tournevis. Oui. Et il m'a tout quitté. Accepté. Ok. Quitter le bureau. Ah, je prends ma belle voiture. Pick-up de compétition. Il y avait aussi le... En démo, il y avait le truc de refuge pour animaux, là. C'était assez moyen, ça. Alors, commençons. C'est votre première commande électrique. Ça n'a aucun sens. Chaque fois que vous venez chez un client, vous pouvez jeter un coup d'œil à la maison, mais d'abord aller à la boîte à fusibles, la chose la plus importante dans le travail de tout électricien. Porte fermée, porte ouverte. Là, il met des fusibles. Oh là là, il y a des lags. Ah voilà. Chaque fois que vous travaillez avec des appareils électriques, coupez le fusible ou coupez l'électricité. Il peut être difficile de trouver le bon fusible, mais vous pouvez toujours couper le fusible principal qui se trouve au début. Fusible principal. Couper. Réparer l'interrupteur.
Interrupteur simple vue. Donc j'ai un interrupteur. Appuyez sur les différentes parties de l'interrupteur pour les démonter. Hein, les câbles, pour le moment, nous vous aiderons à connecter au point où il suffit de regarder les icônes, connecter les deux faces appropriées. Ok. Ok. Ça, c'est bien foutu, c'est pas mal. Et on met pas les vis que j'ai enlevées, si, quand même. Voilà. Vérifier que l'interrupteur fonctionne. Retour. Ah oui, il faut allumer le fusible. Je suis con. Plus mauvais électricien du monde. Et voilà. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Retourner au bureau. Laisse-toi tu pues. Oui. Ok. Bah il est pas très riche, il paye quand même, Pépé. $120 pour réparer un interrupteur. Bon. Moi, je connais pas les tarifs. Alors, on en a deux. Alors, trouver une vieille console dans la maison de mon grand-père. Je voulais y jouer, mais malheureusement, la manette ne fonctionne pas. La pile était mauvaise. Pouvez-vous réparer cela? Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas vous payer, mais aidez-moi, je veux jouer à des jeux. C'est des commandes atelier. La petite... Voilà, faut juste le tournevis, je l'ai. Alors sur mon établi, logiquement, je peux essayer de réparer la console de Robert. Ta première fois à l'établi, c'est un peu différent car je voulais que tu puisses utiliser un seul appareil. Alors, nanana, une mise à niveau du tournevis, quelques dollars en bas de l'écran, obtenez votre mise à niveau. Ah, les outils SUS, essayez de les utiliser à bon escient. Donc, il faut que j'améliore mon tournevis. Oui, ça va suffire. Va-t-on réussir à tout remonter? Garçon doué. Ça veut rien dire. Tu as démonté ton premier appareil comme si de rien n'était. Sur le côté gauche, tu peux voir la liste des pièces. S'il fonctionne, tout va bien. S'ils sont défectueux, tu dois les réparer ou les remplacer. Nanana. Donc c'est la batterie qui est bien abîmée. Remplacer. Oui. Ok. Ouais, d'accord, j'ai les pièces. Démontage. Montage. Ah oui, il y a un mode montage et un mode démontage, d'accord. On met la carte. On va mettre la batterie, elle était là. La fiche d'alimentation. Hop. On met les touches. On met le cache. J'espère que j'ai rien oublié. Le double vis. Bonjour monsieur, machin. Objet réparé. Envoyez l'objet. Bon, allez en mission. Oui. C'est plutôt bien foutu pour un truc de simulateur quand même.
On a une clé mystérieuse. On a des clés, des portes fermées, non? Voilà, la clé est nécessaire. On ouvre la porte, ok. C'est quoi? C'est des prises qui marchent pas? Bon, déjà, on va trouver les trucs de fusibles. Ah oui, sur toute la baraque, c'est le cas qui est. Porte fermée, porte fermée. Parce que moi, je veux bien, mais on coupe le courant d'abord, les Robert. Moi, on m'a toujours dit ça un peu, là. Et qu'ils ont foutu leur... toujours placé n'importe où, les tableaux électriques. Ça doit être un critère quand on fabrique une maison. Viens le mettre à l'endroit le plus con du monde. Sortie du double EU. Au début, vous remarquez peut-être quelques similitudes entre les communautaires et les prises. Ils sont comparables en termes de démontage. Cependant, ils possèdent une connexion de câbles complètement différente. Des points simples, des points doubles et bien d'autres. Les câbles dans les prises semblent plus compliqués, mais cette fois, il est vraiment difficile de se tromper. Conducteur de ligne. Ligne L, neutre N, mise à terre PE. Après avoir préparé les connexions appropriées, vous devriez pouvoir brancher la fiche et allumer certains appareils. Ok. Vous avez besoin d'un tournevis. Et mon tournevis. Voilà. Alors. Jaune. Ça, on n'a pas plus d'indication que ça. Hein. D'indication. D'indication qu'un tain. Il fait son petit bruit, du coup, ça doit être bon. Hein. Mais elle a des problèmes parce que ses prises sont pas du tout branchées, en fait. C'est un peu con. Donc, attends, si maintenant je remets le câble, le courant, donc que je retrouve le truc, la lumière s'allume, non? Pas du tout. Ah voilà. D'accord, c'est sur le lampadaire. C'est pas une prise télécommandée. Hop, ok. Bon, on recoupe le jus. Alors. C'est reparti, mon kiki. Oh, il arrête de m'enlever mon tournevis, là. Hop. Et tu veux absolument brancher la télé comme ça? C'est pas un peu débile? L'installation là, elle est quand même débile, on est d'accord. La télévision et la lampe. Bah donc. Ah oui, mais il me dit réparer la prise suivante. Mais il n'y en a plus d'autres, non? Sortie simple U. Ah si, voilà. Ah bah voilà, c'est là qu'il faut mettre la télé. Il y avait un truc bizarre quand même. Avec les trucs de simulateur, des fois, on sait pas. Faut chercher la logique, on s'en sort plus non plus. Les conneries. Hop. Là. Un peu moins, c'est un peu mieux quand même. Mais là, il y a une prise, on s'en fout en fait. Ah, il faut juste allumer, d'accord, le restant est bon. Et donc, faut allumer la télé. Oh là là, it's a beautiful flower. En plus, ils ont mis une fille, c'est je suis pas nouveau dans la ville, c'est je suis nouvelle dans la ville.
Après, on ne peut présumer du truc. Je vais un peu vite. Toudoudoum. Oh là là, on en a de la commande. Ah, ça c'est de la réparation capteur de ma salle de bain. T'as besoin... putain, il te faut un détecteur de monoxyde de carbone dans ta salle de bain, sinon t'es pas en... Tu t'inquiètes? Mais tu t'inquiètes que... Oh putain, puis après on va aider un... avec des lamporticoles, génial. Elle se sent pas en sécurité que quand elle prend un bain. Je sais pas, c'est pas le moment où tu crains le plus le monoxyde de carbone, non? Fais ça bien, il a la petite boîte pour mettre les vis. Ils sont démontés là, tu peux les enlever, non? Il y a d'autres vis à la con. Voilà. Il y a un truc que je ne dois pas voir. Ah là, c'est des vis. Voilà. On a tout démonté. Liste des pièces. Prise de la pile. Plaque d'écran. Attends, on peut la réparer. Mon fils, tu veux remplacer les... Pour les bons outils, on peut réparer. Plaque d'écran abîmée. Pour faire des soudures. Elles sont propres, hein, ces soudures. Moi, je te fais des grosses soudures. Elles sont... C'est costaud, mais c'est dégueu. Hein. Bon, après, on n'a jamais le bon matériel. Moi, c'est toujours des merdes. La fiche, elle est abîmée. Finalement, faut mettre un truc là pour enlever des soudures. Hein. Parce que tu soudes à l'étain, je veux bien, mais pour enlever les soudures, il te faut un autre truc. Hein. Je me souviens de mes cours de techno, attention. Vous avez besoin d'une pincette. Ouais. Je sais pas si les électriciens sont vraiment chiés avec ce genre de truc en fait, puisqu'ils changent toute la pièce et puis basta. Non. Capteur, ah, on peut le réparer le capteur. Avec sa pincette là. C'est la pincette à neuneu. Circuit imprimé. Oh, puis c'est quoi cette soudure dégueu là? Gros flop d'étain. On avait un des condensateurs et on est bon. Ok. $2 le condensateur, mais ouais. À la fin ça te revient cher. Hein. Voilà, donc là toutes les pièces sont bonnes. On passe en mode montage. Hop. Euh.
hop, 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 hop. Voilà. Allez, on va aller aider. Attends, vous n'avez pas les objets, non. Je vais aller trop vite en besogne. Il me faut des câbles. Ajouter au panier. Attends, attends, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Objet suggéré. Il me faut 10. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Oui. Câble tournevis. Très bien. Voici le dernier type de commande le plus difficile. Vous apprendrez à utiliser des câbles nouvellement acquis. Descendez, chargez la boîte à fusil. Vous devez vérifier que l'environnement est sûr. Faites attention. Mon fils. Alors, les boîtes à fusibles aiment jouer à cache-cache, ça je suis bien d'accord. Toujours un moyen de les trouver, un objet supplémentaire sera nécessaire pour le déverrouiller, trouver la clé de la boîte à fusibles. Ah! Qu'est-ce que tu fous avec ta clé de boîte à fusibles? Alors la plante, il l'a fait disparaître. Le mec, il n'est pas déçu, hein, il aime bien les plantes vertes, il n'en retrouvera pas la moitié. Alors, essaie de brancher un des fusibles dans un interrupteur d'éclairage sur le mur à côté de toi. Fais attention. Mais non. Bah oui, tu me fais faire n'importe quoi. Vous avez été électrocuté, bah oui. Il lâche ce câble de merde. Oh là 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 là. Quelle andouille. C'est bon là? Donc il range son câble. Ces lumières ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Vérifie la connexion entre elles. Appuie sur U pour voir les câbles connectés. Tout compris, mais d'accord. U. Bah là, on a un problème de touche là. Commande. Montrer les touches U. 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 Ah d'accord, faut être en connecté. Ah, parce qu'il en faut un. Oh, mais arrête qu'il est gnougnoute celui-là. Homme de châtaigne là. Alors, bah, on travaille. À côté, tu peux voir l'icône machin. Ouais, d'accord. Hein? Ça peut répéter ce qu'elle dit un peu là. Ah oui, d'accord, on peut faire des traits ou des machins à la mormoile bou à la mormoile zboub. Ah, il y en a deux. Ok, il y a deux sorties. J'ai compris. On peut faire un truc high-tech moumoute là, comme ça. Ouais, high-tech moumoute. Je vais voir si ça passait. Eh ben, même pas.
Allez, la station électrique la plus moche du monde. C'est qui a dossé pour vous? Ah oui, non, il met les il cache les trucs quand même. Bon, c'est bon. Pardon, je suis désolé. Mais attends, il active que le premier en fait. Ah voilà. Il couche les doigts. Oh purée. Et donc il lui faut ces lamparticules pour faire pousser ça, d'accord? Dans une cave. Sinon t'as acheté une serre, mec. Si à la rigueur tu fais pousser des plantes dans ton garage en mode secret, c'est pour faire pousser autre chose que ce genre de plantes, non? Pas compris. Alors, nous avons... Allô, Jamie Lucas. Alors, il faut des câbles. Acheter, oui. Attends, bien sûr, on en a assez. Accepter. C'est parti pour Jamie. Jamie les Curtis. Ah non, merde, ça, c'est une autre chose. Alors, un autre travail avec les câbles. Essayez d'utiliser vos connaissances acquises lors de la mission précédente. La seule différence, c'est la prise. Branchez-le à l'aide de l'icône, comme bon sens. Ok. Tu bien, c'est que... Et puis, hop, tu te retrouves enfermé là-dedans, quoi. C'est vachement sympa, le proprio, il vient, il nous enferme comme ça. Bravo, bravo. Bon. Pardon. On a tout coupé. Ensuite. Alors, on a ceci qui est relié à cet interrupteur. Cet interrupteur n'est relié à au truc du haut, mais on peut connecter dessus autre chose, ok? Là, on a ce tube néon qui arrive, qui est connecté sur cet interrupteur, qui mène à cet interrupteur. Ah, c'est quoi cette installation à la con? Il sait qu'à vous y faire un truc pareil, quand même. Ah, parce qu'il y a l'entrée et la sortie, non? C'est pas une merde comme ça? Non? Ça veut dire néon. Ben non, c'est la sortie à chaque fois. Je vais répéter la question. Là, ça sert à quoi ce que j'ai fait là, sérieusement? Je n'ai rien compris. Ça n'a aucun sens. On est à 3. Ah bah il est branché à rien lui, putain con. Sortie. Entrée. Ah oui mais attends, faut couper le jus. Bah on va le mettre sur quel interrupteur? Bah déjà, est-ce que ça intéresse ce que j'ai fait là? Ouais oui, ta mère. Ta mère le hamster. Attends, ce que j'ai fait là, c'est débile, sur cet interrupteur. Ce qu'il faudrait, c'est ça. Et donc, du coup, ceci. C'est quoi, j'ai de petites boules, là. Des points de câble. C'est fort étrange. Voilà. Et donc, du coup... La lumière
La lumière n'est pas partout, comment ça? Bah si, allumez la radio. Putain, il y a une radio, elle est où? Faut brancher la radio. Fais qu'on branche la radio. Mec, t'as pas une prise plus près, là? Elle est pas branchée, non? Enfin, y a pas la prise, y a pas de jus sur la prise, non? Ouais, elle est branchée à rien. On va pas aller loin, hein? Alors attends, parce que quitte à faire des installs moisis comme il est en train de faire, là, est-ce que je peux pas le mettre sur la sortie du tube néon? Pourquoi il n'y a plus la sortie tout à l'heure? Il y avait des sorties. On peut pas. Bon. Attends, c'est de quel côté? C'est la boîte à fusil, ben, elle était pleine, donc c'est pas là. Attends un peu. Là, c'est sur la prise du milieu. C'est la prise du milieu qu'il faut que j'enlève. Oui, mais j'ouvrais juste le couvercle. Tu ouvres le couvercle, tu te prends un coup de jus. Ah, où j'ai cet interrupteur-là? L'install de merde. Et le mec, il va payer pour ça, quoi. Ouh, je suis paré, là. Non, ça veut pas. Que là, attends. Là, on a la radio, on a la lampe et il nous manque la lampe du fond. À cause de cet interrupteur-là. Ah, là, c'est pas branché. Là, c'est une sortie. Attends un peu. Là, j'ai réussi à connecter. Les deux néons ensemble. Celui-là, il est débranché. Celui-là... Attends, parce qu'il faut couper. Celui-là, je peux le mettre sur celui-là. Pourquoi il me le propose pas? Ah, j'ai pris le mauvais côté. Ben non, c'est la sortie. Une entrée? Non, c'est une sortie. Attends, on met tout. Vision magique. Donc il y a bien un câble qui va, mais c'est un câble de qui va pas. Ah oui, je peux pas y toucher celui-là.
Là, c'est une sortie. Là, c'est une entrée. D'accord. Est-ce que je peux faire ceci? Eh ben, on a tout rallumé. C'est n'importe quoi, cette installation électrique. Bon, j'espère que les vrais font de meilleurs boulots, hein, parce que sinon. Eh bien, je suppose que quelque chose est arrivé au câble. Bah, effectivement, après mon passage, quelque chose est arrivé à tes câbles. C'est la fin d'Electrician Simulator First Shock. Vous savez maintenant quel travail attend un électricien débutant. Revenez à la fin du jeu pour découvrir ses mécanismes. Et il y a un mode libre. Alors, le jeu. Date de sortie prévue. Soon. Bientôt, bientôt. Donc, il n'y a pas de... On ne sait pas encore. Tech It Studio. Bon, j'espère que ce micro let's play vous aura plu. On va enchaîner avec un autre jeu. A tout de suite, Hello Lou. A plus. C'était le Chapelier Lou.